Moi, remercier-nous du fait que nous faisons déplacement aujourd'hui pour être toutes sortes d'activités que la Fondation a faites en général. Mounio, on t'y j'en te vle embarrasser, mieux dit parler de tête moi, qui sont baille que moi, il fait. Même à Banou, on t'y aperçu de qui est-ce que Jean-Philippe Boyer. Ok? So, bon, nous tellement qu'on dit ça, mais qu'on y a là, moi, bab blanche, etc. Nous toujours dit jeune garçon. Ok? Et je pense que je jeune toujours. Et fait en Haïti, grandi en Haïti, mal fait études universitaires, effectivement, aux États-Unis. Mais tout de suite après, je tourne en Haïti pour commencer à travailler dans la télécommunication. Moi, j'ai commencé dans la télécommunication depuis 2007, temps a passé, mes amis. Et moi, vraiment passé à travers un pile différents rôles dans la télécommunication, que ce soit distribution, que ce soit vente, que ce soit aspect business. Là, nous avons commencé avec services financiers, mobiliers, c'était un branche comme là dans tout. Moi, j'ai fait quelques années comme manager régional pour Digicel, par exemple. Et au Cap Haïtien, tout le monde pensait que je suis capable, juste parce que je fais 3 ans ou seulement. Mais je fais tout le parcours ça pour que je dise à l'âme, je tourner directeur général de la compagnie lui-même. Et en plus de diriger la compagnie, je suis toujours impliqué tout dans la fondation parce que c'est un bagage qui était extrêmement, extrêmement important, non seulement pour moi, mais la compagnie en général. C'est clair, nous sommes compagnie de télécommunication. Nous sommes une des plus grosses compagnies dans le pays. Mais, leur compagnie a toute empreinte ça sur le pays. Ce n'est pas seulement un aspect commercial que nous avons, il y a un aspect de responsabilité envers la communauté. Et vraiment, c'est parti ça qui est important pour nous. Et c'est vraiment parti ça qui fait que nous avons une fondation qui fait que vous faites tout le travail, ça y est, que vous allez exposer nous là, je dis. Il est extrêmement, extrêmement, extrêmement important que pendant que nous avons grandi en tant que compagnie, que nous engagions nous et que nous permettions différentes communautés, côté que nous avons évolué, développer tout. Et vraiment, c'est ça que tout le monde est en compagnie a gagné comme engagement. Et c'est ça que la compagnie a lui-même gagné comme engagement envers le pays. Alors, je ne vais pas parler trop de détails. Premier bagage, je voulais remercier tout le monde qui vient pour écouter différentes initiatives que la Fondation a faites. Je vais exposer nous un paquet de bagages que nous avons droit à connaître ou bien que nous n'avons pas de connaître. Et puis, encore, comment que nous avons impliqué nous-mêmes et comment que nous avons interagi avec la Fondation. Toutes questions, ça y est, pour répondre au cours de la journée. C'est vraiment que content que la Fondation Digicel a recevé nous là aujourd'hui pour journée porte ouverte. Même si en général, l'on a lancé le rapport annuel, nous avons fait des points de presse, nous avons invité la presse, etc. Mais année ça, nous décidons de changer pour inviter l'organisation. Parce que nous avons une organisation très engagée et nous intéressés dans ce qui ça différentes fondations ont fait. Et c'est pour ça que je dis, nous voulons montrer qui sa fondation a fait et comment nous engager nous et peut-être comment nous collaborer ensemble. So, en tout cas, je vais reprendre. Moi, c'est Sofia Stransky et moi, c'est CEO Fondation Digicel. Depuis l'année 2012, moi, j'ai géré la fondation. Mais ce n'est pas là que la relation a commencé avec la fondation Digicel. Parce que j'emploie Digicel depuis l'année 2005. J'ai travaillé dans la section commerciale. Et j'ai été le premier membre du conseil d'administration de la fondation Digicel. J'ai toujours été là avec eux. Mais quand l'heure après, surtout après le séisme, côté baïoté, vraiment, payant un besoin, un peu de changement, que me décider en fait de quitter l'aspect commercial. Je me suis fait 7 ans pour mal travailler dans la fondation et opportunité en venir. Et je me dis que c'est vraiment avec joie que chaque matin je me lève pour venir travailler dans la fondation Digicel parce que m'admirer le travail que nous faisons et puis m'admirer les compagnies qui ont nos possibilités pour faire ça. En tout cas, on va commencer, nous allons parler de qui sa fondation en fait. Nous avons une mission. La fondation a lancé en 2007, alors 10 mois après que la compagnie a commencé à être opérationnelle en Haïti.
Et nous décider que nous voulons que la communauté ait vraiment un avenir meilleur. Mais nous décider subventionner des actions communautaires, mais avec un accent particulier sur l'aspect éducation, enfance et puis primaire. M'a dit nos bagages, parce que nous sommes compagnie, nous travaillons, sortir la rivée, la tortue, nous couvrons tout le pays. Il faut que nous ayons une définition de qui ça nous prend le fait. Parce que nous ne pouvons pas faire tout le bagage, nous ne pouvons pas dans la santé, nous ne pouvons pas dans l'éducation, parce que nous avons des clients de tous côtés. Et c'est pour ça que nous décidons n'a plus focus sur un secteur d'activité, ok, que nous avons investi là-dedans à travers le pays, hein, d'accord. Et c'est pour ça que nous connaissons que nous avons décidé de faire éducation, parce que nous connaissons éducation son bagage qui a changé la vie monde. Même si Fondation Digicel a 3 programmes qui en dehors, construction de l'école, qui ça encore, développement professionnel, subvention, d'accord. Mais pardon, le pays d'Haïti a un problème que nous-mêmes nous avons un petit budget que Fondation Digicel n'a pas impliqué. L'été a un problème COVID, nous avons subventionné l'hôpital pour sûr qu'il y a oxygène pour traiter. L'été a un tremblement de terre, nous avons subventionné l'hôpital Saint-Boniface parce que c'est lui qui a bail soin. Sommes-nous toujours là? Il y a une inondation dans le nord, nous faisons une clinique mobile l'année dernière. Il y a un petit tremblement de terre dans le NIP l'année dernière, nous sommes là. So, depuis nous sommes capables, depuis qu'il y a un problème, même si pas rentré exactement dans le programme, nous, Fondation toujours là.